Salut tout le monde, c'est VDK, bienvenue pour une nouvelle vidéo de replay sur ce championnat, le GT Endurance Series, toujours organisé par The Gentleman's Club. Aujourd'hui on se retrouve sur un circuit qui, le calendrier a été dévoilé, j'avoue que ça m'a mis un peu le sourire et ça m'a tout de suite très très intéressé quand j'ai vu ce nom-là. On se retrouve en effet sur Monte Panorama, autrement dit Bathurst, circuit qui se trouve en Nouvelle-Galles du Sud, c'est dans le sud-ouest de l'Australie, c'est sans doute le circuit australien le plus connu au monde et sans doute l'un des 5 meilleurs circuits. Il fait 6 213 km de long, comporte 23 virages et a comme grosse particularité un dénivelé de 174 mètres. Entre le niveau le plus bas du circuit et le plus haut, il y a 174 mètres de différence. Il y a surtout trois grosses sections sur circuit. La section là sur laquelle on se trouve actuellement pour le tour de chauffe qui est en fait la partie la plus élevée. Une partie très technique avec beaucoup de virages très rapides. On arrive, on frôle les murs, on passe vraiment à quelques centimètres. Donc c'est vraiment la grosse particularité de ce circuit. Après on a deux grandes lignes droites de part et d'autre, une en montée, une en descente. Vraiment c'est un circuit vraiment très technique, très particulier et vraiment j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire cette course. Ça a vraiment été très intéressant de se préparer à faire cette course, à faire ce setup pour la Zonda, parce que justement il fallait essayer d'allier vitesse et précision pour justement arriver à être performant dans toutes les parties du circuit. Personnellement, j'avais un petit peu plus misé sur un setup performant lors de la partie très sinueuse du circuit, donc la partie haute là qu'on vient de passer. J'avais surtout misé sur une voiture qui soit vraiment stable et qui puisse enchaîner les virages sans prendre de survirage ou qui vraiment colle à la route. Alors que là on voit Gergen qui est un peu sur le bas côté. Malheureusement pour lui il va avoir une petite déconnexion. Donc voilà, je pense qu'il a dû être très très déçu. Donc j'avais misé sur un setup qui soit rapide dans les parties sinueuses du circuit. Ça s'est révélé moyennement efficace, je dois dire, au fil de la course. C'était peut-être pas la bonne solution, ou en tout cas j'aurais peut-être dû améliorer aussi ma vitesse de pointe. Malgré tout, lors des qualifications, j'étais assez performant. Je n'ai fait qu'une seule qualification qui m'a permis d'être 5e sur la grille de départ. Plus tard, lors de certains essais que j'ai fait moi de mon côté hors qualif, j'ai réussi à faire ce qui aurait pu me. Enfin, très bon temps, 2.03.992, ce qui aurait pu me permettre d'être sur la troisième place de la grille de départ. Mais bon, c'est pas grave. Là, vu que Gerjan a eu un petit problème, ça m'a fait gagner une place, donc je pars 4e, donc au final, ça change pas grand chose. Donc, on arrive dans la ligne droite de départ, toujours en formation 2x2. Mohamed est devant moi, Nuno est derrière moi. Enfin 4C65 en pole position, et voilà, c'est parti. On aborde le premier virage. Je me porte à l'extérieur de Mohamed, mais bon, il a réussi à bien accélérer. C'était un petit peu tendu. Ziggy est sorti, du coup, ça m'a permis de le passer. Et vous voyez un peu le défaut, tout de suite, vous pouvez voir le défaut de mon setup. C'est qu'en fait en ligne droite, comparé aux autres pilotes, je n'ai quasiment pas de vitesse quoi. Alors que là Mohamed fait une grosse sortie. Par contre il n'a pas fait de tête à queue, ce qui lui permet de repartir directement. Donc comme je le disais, en ligne droite, je n'avais absolument pas la vitesse de pointe. Et là pareil, Nuno qui va frapper le mur. J'essaie de me partir extérieur mais il me referme la porte. Plutôt que d'aller au contact et de forcer le passage, je préfère relâcher les gaz, pas essayer de partir à la faute directement dans ses premiers virages. Là, je reste bien dans la roue de Nuno. Là c'était vraiment la partie où j'avais le gros avantage des autres. Parce que vraiment dans cette partie sinueuse, j'avais un setup
je pense qu'il était nettement plus efficace que celui de mes concurrents, à part peut-être celui de 4C. Enfin, parce que lui, il était vraiment intouchable devant. Les temps qu'il a fait lors des qualifications, il était juste monstrueux. C'est le seul à être descendu en dessous les 2 minutes. Donc ça vous pose un peu le bestiau. Donc là, du coup, enfin, vous avez vu, j'ai touché légèrement le mur, ce qui m'a déjà dû empêcher de bien accélérer. Et de derrière, la faiblesse de mon setup se fait sentir rapidement. Voilà Ziggy qui reprend la troisième place. Donc derrière Mohamed, il est à 5 secondes. C'est vraiment ce qui va me... entre guillemets, ce qui va me perdre, parce que... j'avais vraiment absolument pas mon... aucune... Enfin, je pouvais absolument pas lutter, pardon, en ligne droite, quoi. Dans les deux lignes droites, aussi bien la montée et la descente, je pouvais absolument rien faire pour que... pour retenir Nuno, Ziggy et Mohamed. C'est les trois principaux pilotes avec qui je vais bagarrer, parce que devant, comme je vous l'ai dit, AC65 va être vraiment intouchable de bout en bout, on le verra pas. Encore une fois, il est assez régulier du fait. Donc là, vous voyez, voilà. Devant, ça part très très fort. Et Nuno qui fait une belle voltige, un quadruple loot se piquer. Sûrement un petit bug, et il est parti vers la barrière et il nous a fait un magnifique envol. Alors que là, je me rapproche tranquillement de Ziggy. Du coup, je m'étais un petit peu concentré sur son arrière et j'avais pas vraiment fait gaffe à l'intérieur des virages. Et il y a le fait aussi que lors de cette course, j'étais pas mal fatigué, voire même beaucoup. Ça m'a coûté vraiment cher parce que du coup, j'ai pas réussi à me concentrer, à rentrer vraiment dans l'ambiance de la course. Ce qui fait que j'étais pas aussi précis que je pouvais l'être lors de mes tests. C'est un peu ce qui m'a chagriné lors de cette course, parce que vraiment je faisais des fautes bêtes, surtout dans le virage où j'ai tapé là juste avant, quoi. C'était assez régulier que je venais frapper ce mur là, je venais toucher ce mur là, donc ça m'a un peu énervé parce que je voulais vraiment faire une course vraiment propre. Le fait de ne pas réussir à me concentrer et de mettre à fond dans l'esprit de cette course, ça m'a un peu empêché de réaliser cet objectif. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même pris énormément de plaisir à conduire sur ce circuit. Alors je suis toujours au contact de Ziggy, hein, malgré que, comme vous l'avez pu voir, il me lâche assez rapidement en ligne droite. Par contre, dès qu'on arrive à la chicane de bout de ligne droite, j'arrive à le récupérer. Donc là, on avance un petit peu, hein. On est au cinquième tour, je suis toujours dans la roue de Ziggy. On arrive, on passe les premiers retardataires. Malgré tout, malgré le fait que Ziggy me lâche vraiment rapidement en ligne droite, hein, vous voyez, là, il repart direct encore une fois. Malgré ça, dans la partie sinueuse, j'arrivais vraiment à bien le reprendre, à bien récupérer le retard que j'avais. Là par exemple, on a quasiment une seconde 5 de retard, j'ai quasiment une seconde 5 de retard sur lui. On va essayer de regarder à la fin de la partie haute à combien je serais revenu. En plus là, il est un petit peu gêné par un retardataire. Il est même bien gêné d'ailleurs. C'était vraiment intéressant aussi de devoir doubler les pilotes de catégorie inférieure sur ce circuit, parce que c'était vraiment pas facile, surtout sur la partie sinueuse là. Les virages Skyline, je crois que ça, ils sont surnommés. Alors que la Ziggy part un peu de travers, j'essaie d'en profiter pour le passer, mais je sais pas si c'était volontaire ou c'est parce qu'il a perdu le contrôle de sa Zonda. Mais d'ailleurs, après, assez fair play, il me relaisse passer, parce que c'était pas une manœuvre, si elle était volontaire, c'était pas une manœuvre très cool quand même. Mais je doute que ça soit le cas, je doute que ça soit volontaire, et du coup il m'a laissé la deuxième place. Derrière, je suis un peu gêné par Martin, et du coup je peux pas réaccélérer autant que je le voudrais, et la sanction.
et direct derrière, même si je pense que sans Martin, ça aurait, le résultat aurait été un peu le même. Du coup, je reprends la troisième place. Pour l'instant, j'étais malgré tout très content parce que bah, je restais sur le podium. J'avais une place sur le podium malgré que derrière Mohamed revenait très fort. Là, il est à 1 seconde 7 maintenant. Je me disais que si j'arrivais à la fin de la course avec cette troisième place, j'étais plus qu'heureux, quoi. Et justement, d'arriver à me battre pour la deuxième place avec Ziggy, ben, j'étais assez content de moi, mine de rien. Ça m'est pas arrivé souvent, alors que là, il monte un peu trop sur les vibreurs et part à la faute. Mais une fois de plus, il a réussi à garder le contrôle de sa voiture. Et du coup, il est pas parti en tête à queue et Mohamed et Ziggy sont vraiment au coude à coude derrière. Moi, je vais essayer de faire le trou là en profitant de. Parce qu'en plus, on arrive dans la partie où je suis le plus performant. Donc, je me dis dans ma tête qu'il faut absolument que j'essaye de creuser le maximum d'écart à ce niveau-là. Je vais assez bien réussir. Là, vous voyez, j'ai 2 secondes 5 d'avance sur mes poursuivants. Bon, chaque ligne droite, c'était un peu le supplice, quoi. J'arrivais au bout de la ligne droite un peu à l'agonie avec eux qui m'avaient repris quasiment presque. 5 centièmes voire 1 seconde, quoi. C'était et là derrière, voilà, en passant en retardataire Sylvain, je pars à la faute tout seul, hein. Je passe dans un endroit où j'ai pas trop de grip et du coup je repère toute l'avance que j'avais sur eux. Vous voyez, dans les rétros, ils sont vraiment très proches. Malgré tout, je reprends assez rapidement quand même un petit peu d'écart. Mais cette course a vraiment été disputée. Hein. C'est dans notre catégorie, surtout avec les trois pilotes que je vous ai dit, Ziggy, Nuno et puis Mohamed, on a eu une grosse bagarre. C'était. Enfin, j'ai jamais vécu une bagarre pareille lors de toutes les courses que j'ai pu faire sur un jeu vidéo, quoi. C'était absolument monstrueux. Vous allez le voir d'ici peu parce que ça va arriver bientôt. Et je vous le garantis que c'était vraiment très impressionnant quand on était à l'intérieur de la voiture. J'étais un petit peu en retrait de cette bagarre, je faisais partie, en fait on était vraiment en peloton et j'étais derrière, quoi, malheureusement. Mais vraiment on était roue dans roue, 4 pilotes roue dans roue, c'était vraiment, surtout sur Bathurst, c'était assez passionnant à faire, à conduire. Alors que là, j'arrive derrière Nick qui m'empêche aussi de bien accélérer. Du coup, Ziggy en a profité pour bien se rapprocher. Il a moins de 4 centièmes derrière. Autant dire que dans la ligne droite, ça risque de ne pas pardonner. Alors que devant, on voit qu'on arrive sur un autre retardataire. Voilà, Ziggy qui se décale. J'essaye de garder la ligne intérieure parce que je me dis que si je peux le garder à côté de moi, enfin au départ, je me suis dit. Parce que si je pouvais le garder à mes côtés avant l'entrée du virage, et ben je pouvais essayer de le bloquer, de le forcer à ralentir plus que moi. Bon, malheureusement, avec sa pointe de vitesse, ça n'a pas été trop le cas. Et là, du coup, il se retrouve bloqué par un retardataire. J'essaye de me décaler. J'ai essayé d'étudier les possibilités, voir si je pouvais le passer sur le côté. Mais bon, c'est vrai que c'est. Dans cette partie, c'était vraiment très compliqué de passer. Ce qui m'énervait là, c'est que j'étais vraiment beaucoup plus rapide que lui. Sans vouloir me la péter ou quoi que ce soit. Là, il me bouchonnait vraiment. C'est bon, d'une part parce qu'il était, aussi ralenti par le GT4, mais même sans ça, j'étais. Là, vous voyez, je fais une petite touchette sur l'arrière. J'étais vraiment beaucoup plus rapide avec mon setup. Et du coup, d'être dans les virages comme ça et de pas avoir l'occasion de passer la personne qui est devant vous, c'était assez frustrant. Et c'est pour ça qu'à la fin de la course, j'ai vraiment regretté d'avoir pris cette décision sur mon setup de vraiment jouer la sécurité dans la partie haute du circuit. Parce que je pense que si j'avais misé aussi sur la vitesse de pointe, j'aurais peut-être pu accrocher de meilleures places au final. Mais bon, ça m'a quand même offert de belles bagarres. Alors que là, voilà, Mohamed a profité aussi de la ligne droite pour me passer. On a Nuno qui est juste derrière moi.
le groupe des quatre cavaliers, on va dire, est formé. La bagarre va pouvoir commencer. Nuno a essayé de se décaler, voir s'il pouvait essayer de me faire le freinage, mais au final il a vu qu'il était un peu trop loin. Du coup il s'est ravisé, mais là il prend la spi, il se décale. Une fois de plus je me fais punir en ligne droite. Vraiment rageant pour moi à ce moment là. Là, c'était quand même super plaisant de débouler à 4 GT1 comme ça dans les virages, alors qu'on a un retardataire aussi, Benjamin Schroeder, qui était mon ancien coéquipier lors de la saison précédente, alors que j'ai fait une grosse touchette. Hein. Là encore, quand je vous dis que j'arrivais pas à bien me mettre dans l'ambiance, je vous ai pas menti. Donc là voilà, gros bouchon. Et là je touche un peu l'arrière de Nuno. Heureusement le mur m'empêche de faire un tête à queue. Du coup j'ai pas perdu trop de temps. Derrière Ziggy, regardez, voilà. Alors là on a 2 GTE, on a 4 GT1, enfin c'est le gros bordel quoi. Et sans le vouloir j'ai refermé la porte à Nuno. Un peu sèchement, je m'excuse. Bon ça va pas trop le déboussoler parce que voilà, une droite encore une fois, je me fais punir. Je cherche même pas à le bloquer. Mais vous avez pu voir un peu la bataille dont je vous parlais. On est vraiment à 4 sur une route qui peut à peine contenir 2 voitures de front. On est à 4 voire 6 là-dedans si on compte les GTE. Enfin, c'était. À ce moment-là, je vous dis, dans la course, on transpire à grosses gouttes. Hein. En plus, il faisait assez chaud ce soir-là. Donc. Mais ça a vraiment été. Aussi un bon gros test pour tous les pilotes de cette série quoi, parce que il y a eu vraiment des dépassements dans tous les sens et puis des dépassements vraiment vraiment compliqués à faire, hein, parce que doubler sur ce circuit c'est vraiment pas évident, et même si c'est des voitures plus lentes, c'est quand même pas évident, et franchement ça a été un gros challenge aussi bien pour les GT1 que pour les GTE. Et ça s'est plutôt bien passé. Tout le monde à la fin de la course s'est quand même félicité d'avoir aussi bien géré les dépassements. Bon, bien sûr, il y en a eu quelques-uns de compliqués. Hein. Tout n'a pas été parfait, mais franchement, beaucoup de pilotes s'attendaient à vraiment de gros embouteillages avec des gens qui font des têtes à queue dans ces enchaînements de virages qui bouchonnent et tout. Voire même des voitures encastrées les unes dans les autres, et rien de tout ça s'est produit, c'est resté fluide, et vraiment des dépassements fair play, des pilotes de GT4 ou de GTE qui vraiment essayaient de se décaler, de laisser de la place pour les GT1. Et je peux vous dire que pourtant, pour avoir fait partie de la catégorie GTE, quand vous avez 4 pilotes de GT1 qui déboulent comme des malades derrière vous dans ce genre de virage, on doit se dire, merde, comment je vais faire pour pas trop les retarder. Vous voyez qu'on est vraiment, moi plus trop maintenant, mais on était vraiment roue dans roue, nous quatre. C'est la première fois que, en plus, c'est pas sur un tour, quoi. Encore, ça aurait été sur un tour, Mais là, on est resté bien 3-4 tours comme ça, roue dans roue, les uns dans le pare-choc de l'autre, quoi. C'était vraiment impressionnant. Même moi, avec mon setup différent du leur, à chaque virage, à chaque freinage, j'arrivais à les reprendre, quoi, à reprendre le retard que j'avais dans les lignes droites. Donc, c'était vraiment très, 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 très passionnant à vivre. Je remercie d'ailleurs Ziggy, Mohamed et puis Nuno pour cette belle bataille. Alors que là on voit Nuno qui passe Mohamed. Ziggy toujours devant, toujours en deuxième position, alors que
Après, enfin, 4C65, on le voit plus du tout là. On a limite l'impression que c'est Ziggy qui est en tête des GT1 et que 4C joue dans une autre catégorie. Alors que là, j'ai essayé de faire l'intérieur à Mohamed parce que j'avais vu qu'il avait fait une petite faute. Mais bon, voilà, encore une fois, il a refermé la porte derrière. J'ai pas voulu trop lâcher. Je voulais essayer de passer. Et du coup, ben, j'ai heurté l'arrière et on est partis tous les deux dans le mur. Là, je me disais que c'était vraiment ici, que dans cette partie-là, qu'il fallait que, si j'avais l'opportunité, que j'essaye de passer. Parce que je savais très bien que dans les lignes droites, c'était impossible. Et je me disais que fallait vraiment que je joue tout pour le tout dans cette partie haute du circuit. J'avais pas le choix, fallait que je prenne des risques. C'est peut-être aussi pour ça que du coup j'ai un peu frotté les murs. Parce que vraiment il fallait que je donne le maximum dans la partie où j'étais le plus fort, et c'était la partie la plus difficile. Donc non, voilà quoi, c'était parfois un peu tendu. Alors que là je fais ma première erreur. Ouais. J'ai loupé mon point de freinage. Et c'est là que va se terminer pour moi là, ce gros moment de bagarre. En fait, je me suis un peu perdu dans mes rapports et j'ai rétrogradé en troisième beaucoup trop tard. Ça fait que je suis arrivé avec beaucoup trop de vitesse dans le virage. Et puis bah, derrière, direction la pelouse et tête à queue assurée. Parce que depuis la mise à jour, enfin une des dernières builds, faut savoir que les pneus ont été modifiés, le grip des pneus ont été modifiés, et quand on va dans la pelouse maintenant, c'est une vraie galère. On a l'impression d'être sur la glace quoi. Excusez-moi, je suis un peu malade aussi, hein, donc si vous m'entendez tout sauter ou un peu reniflé, bah c'est normal, ne vous inquiétez pas. Là on est passé au 15ème tour. Vous voyez que Ziggy a bien rétrogradé, Mohamed est passé devant Nuno. Donc ça fait Mohamed 2ème, Nuno 3ème et Ziggy 4ème. Moi je suis toujours à la 5ème position. J'essaie de m'accrocher tant bien que mal au groupe. J'ai réussi à bien remonter, mais je crois d'ailleurs que Nuno et Ziggy ont dû se faire accrocher parce que ont dû s'accrocher tous les deux. Parce que j'étais bien lâché quand même et j'ai réussi à remonter sur eux deux assez rapidement d'un coup. Donc je pense qu'ils ont dû avoir un petit souci. Là vous avez vu qu'après dans le premier virage de la montée, ben je suis parti un peu de travers. Là je touche un peu tous les murs. Enfin, comme je vous dis que j'ai fait à ce niveau là une course un peu dégueulasse. Je vous mens pas. C'est vraiment ce qui m'a déçu. Hein. Et là encore une fois, hop, je merdouille au freinage et du coup derrière ça pardonne pas, perte de grip. Et on part de travers. Heureusement les murs sont là pour nous remettre droit. Heureusement que c'est pas la réalité, parce que sinon je pense que j'aurais été au garage depuis bien longtemps. On touche encore un petit peu à la sortie, c'est pas grave, on va se faire plaisir. Quitte à finir 5ème, autant lui laisser une belle trace sur le circuit. Là on arrive encore dans le trafic avec Driftman The Piwo. Il le fait pas exprès, hein, c'est un bug, hein, pour ceux qui disent le mec il drift tout le long du circuit. Non, c'est juste un petit bug de synchronisation, hein. Je rappelle que c'est toujours de la pré-alpha, hein. Project Card est toujours en pré-alpha, toujours en développement, donc ce petit genre de bug peut arriver. Entamer le 16ème tour. C'est vraiment une course que j'ai pas vu passer, hein, au niveau du temps. En fin de compte, jusqu'à à peu près le 18ème tour, j'ai pas fait gaffe au compteur de tour, donc je voyais pas trop. J'avais l'impression qu'il me restait encore du temps, et puis d'un seul coup, je baisse les yeux, je vois 18 sur 24. Je me dis, ah ouais, quand même. C'est une course, j'aurais aimé qu'il y ait plus de tours. Parce que c'est vraiment passé trop vite quoi. Et encore, hop. On flash avec les lumières, le GT4 se décale et nous laisse passer. Très fair play comme d'habitude.
J'essaye vraiment de rester accroché au groupe, enfin surtout à Ziggy, parce que devant, Nuno est parti quand même assez loin. Là, Martin G. Webb pareil, qui reste bien sur le côté. Et là, je reviens bien sur Ziggy. Glissade en sortie. Hein. C'est un peu pédière, même si c'était pas voulu. Et là, on dit au revoir à Ziggy. On le reverra au freinage. Et ce qui était dingue, c'était que même avec l'aspiration, je pouvais pas les suivre. Si à ce niveau-là, j'ai vraiment merdé mon setup, c'est parce que même si je restais à l'aspiration derrière, je pouvais pas y arriver. Et là, pareil, je refais la même erreur que la première fois en fait hein. J'oublie de rétrograder vraiment franchement et du coup je vais dans la pelouse et là par contre c'est la mort hein, vous voyez j'arrive pas à sortir de la pelouse et d'ailleurs en sortant voilà je vais faire chier Doc, je m'en excuse c'est vrai qu'en rentrant j'y ai pensé après, j'étais tellement nubilé sur le fait de ressortir vite. J'ai pas vraiment fait gaffe en reprenant la route, en me remettant sur la route. Donc, désolé, Doc. Doc Miyagi et Batistuta, hein, je les ai un peu bloqués. Du coup, là, je dois me dépêcher parce qu'il faut que je passe Miyagi, le premier pilote de la catégorie GTE, qui a profité de mon petit tour de manège dans la pelouse pour me ravir la 5ème place. Bon, si vous voulez, après c'est une GTE, donc avec ma Zonda, j'ai pas trop de soucis à me faire. Je sais que je vais le doubler, quoi qu'il arrive, soit dans une ligne droite là. Par contre, je sais que j'aurai plus de puissance que lui. Mais je veux malgré tout rester à son contact, hein, parce que pas non plus derrière refaire une erreur ou quoi que ce soit. Ça ferait mauvais genre de terminer après des GTE. Donc là vraiment par contre j'ai pas pris de risque, hein. je suis bien resté derrière lui, je me suis dit je vais attendre la ligne droite. Une fois arrivé dans la ligne droite ça va passer tout seul. Je refais encore des petites touchettes, hein. C'est pas grave. Je m'excuse vraiment pour ces touchettes parce que ça vais vous dire, voilà, le pilote de merde. Franchement c'est vraiment ce qui me déçoit le plus de cette course quoi. Finir 5ème, tout ça, ça me dérange pas, mais d'avoir fait autant de touchettes et d'avoir fait une course vraiment dégueulasse à ce niveau-là, ça m'a franchement fait chier, pour être un petit peu vulgaire. Donc voilà, encore un coup. Donc j'espère que j'aurai l'occasion avec le GT de vraiment de refaire une course sur ce circuit, pour pouvoir enfin refaire une course propre. Alors que là, comme je vous avais dit, voilà, la ligne droite, je passe Miyagi sans trop de problèmes. Donc après ça, il va plus se passer grand chose, parce que devant, Ziggy est beaucoup trop loin et il reste trop peu de tours. Donc je vais pas vous montrer la fin, parce qu'il se passe, comme je vous le dis, il se passe pas grand chose. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau résumé de course. Je vous dis à jeudi prochain pour la cinquième et dernière manche de cette troisième saison. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, enfin, faites ce que vous voulez. Voilà, c'était VDK, à très bientôt, ciao ciao!